Hey, yo à tous et à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va vérifier du coup le nouveau défi des failles temporelles du coup pour l'agent Jones. Et bien tout simplement les gars, donc il y a un défi ici, c'est enquête sur l'anomalie détectée à Weeping Woods. D'accord, donc on va y aller, je vais vous montrer l'emplacement pour débloquer la nouvelle variante de Jonesy. Alors il faut savoir les potos que sur la chaîne YouTube, il y a actuellement toutes les enquêtes d'anomalie, donc vous pouvez désormais regarder, donc même la prochaine, donc à Steel Sea Stronghold va être publiée en même temps que celle-ci, donc normalement il n'y a pas de problème, vous aurez absolument toutes les enquêtes et vous pourrez avoir tous les skins de l'agent Jones. Alors sur ce les potos, du coup moi, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre du coup un petit abonnement à la chaîne YouTube et à mettre le code créateur Bokuni dans la boutique, ça nous aiderait énormément les potos. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez parler avec nous et faire des petites vidéos etc, on a le Discord qui est en description. Et sur ce, let's go, on va directement au jeu. Alors pour le défi, il va falloir atterrir donc juste... à côté de Weeping Wood, alors pas totalement dedans, mais juste à côté, donc là où il y a l'espèce d'antenne, où il y a la gardienne du coup, qui va garder un petit peu cet endroit. Donc juste en dessous, donc vous allez descendre tout en bas de l'antenne, il y aura du coup le premier papillon du coup qui reflète du coup le défi. Donc je vais y aller et je vous montre ça. Alors personnellement les potos, moi j'ai atterri au-dessus de l'antenne, pourquoi? Parce que l'endroit est très souvent disputé et très souvent donc pris d'assaut par pas mal de gens. Donc voilà, je vous conseille d'atterrir en haut et de casser du coup, il y a deux petites structures ici. Prenez de la construction, c'est très important parce qu'il va falloir en avoir pour après, d'accord? En plus il y a un lama en plus là. Du coup vous allez descendre en bas les gars et du coup juste en bas dans l'antenne il y a le premier papillon. Vous allez ici, attention à la gardienne aussi qui se trouve pas loin. Hop, voilà, vous montez petit à petit avec le papillon, voilà, voilà, il va vous dire de monter tout en haut, hein, de toute façon. Voilà. Et là, une fois qu'il est là, du coup, bah, c'est là que les constructions interviennent, parce qu'il va monter, il va monter. Et d'un seul coup, du coup, vous allez pouvoir obtenir l'item juste ici. Alors, bon, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu buggé, mais j'espère que ça va aller. Ok, alors les potes, pour ceux qui ont un bug exactement comme moi, en fait l'anomalie ne spawn pas automatiquement. Donc vous avez pu voir, hein, moi j'ai fait le défi, j'ai fait tout et du coup l'anomalie ne spawnait pas. Alors moi personnellement ce que j'ai fait, je vais vous refaire exactement du coup la solution pour le faire réapparaître. Vous allez ici, d'accord, hop, vous faites ça et vous revenez instantanément du coup à l'endroit de la flèche. Voilà, vous arrivez ici, vous remontez. D'accord, et vous refaites le chemin, d'accord. Vous refaites le chemin, vous montez. Et là, vous allez à gauche, d'accord. Et une fois que vous allez à gauche, normalement, l'anomalie devrait spawn. Du coup, voilà, c'est pour ceux qui ont des bugs. Normalement, ça devrait résoudre tous les problèmes. Alors, du coup, après, on monte et on fait interagir, du coup, avec la faille. Et normalement, là, on va avoir, du coup, le défi de réussi. Et on aura, du coup, la nouvelle variante de Jonesy. Hop, du coup, interagir, 2 sur 2. Voilà, le défi en haut est validé. Et du coup, nouveau style débloqué. Et voilà, donc les potos, je vais juste quitter et je vais vous montrer du coup la nouvelle variante. Voilà, donc on quitte. Et voilà, ça y est, j'ai la nouvelle variante de l'agent Jones. Du coup, le style Bond 88. Alors, dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez. Moi, personnellement, je trouve que c'est la variante la plus réussie. Sachant qu'avec le petit poncho, on dirait un petit peu à la mode un peu Daryl. Un petit peu, du coup, zombie, machin et tout. Moi, j'aime bien, franchement, je trouve ça stylé. Honnêtement, c'est ma meilleure variante jusqu'à là. Du coup j'attends vos résultats et j'attends du coup ce que vous allez dire en commentaire. Sur ce les potos, moi je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien et puis c'est tout, c'était Ekar, ciao.